c'est un plan la prod. J'ai des citrouilles. On n'avait pas vu le décor, ils ont craqué. Oh là là. Attends, je ferme la porte parce que ça y fait un froid de canard après. Je vous en prie, monsieur Gronfion. C'est vous, Sam Gambit. Là, il est 11h. À minuit, on a fini. Il a dit ça toutes les vidéos, exprès. C'est bon, on va la plier cet après-midi. On va finir ce soir. Mais non, mais c'est impossible. Savoir, Lego a toujours raison. Lego is always right. Ger harem. Je te présente le sachet 1, Maxime. Tu vas lui faire la bise. Ah, pardon. C'est 4, c'est les sachets. La comté sachet. Qui s'est passé sur Star Wars, c'est-à-dire... Open bar, les pattes. Alors, je vais faire un film sur la première fois où Frodon a eu des furoncles. Voilà, voilà, voilà. C'est pas une bonne idée, ça, James Gunn, non? Une meilleure idée serait d'en faire une série. Et quel qui? Thomas, quel est ton film préféré? Oh là 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 la désolation de Smog. Juste pour l'anecdote, cette femme est de la même famille que Gervais Martel, qui était président du Racing Club de Lens à l'époque. C'est pas fou ça? C'est pas fou ça? Il a réussi à ramener ce Racing Club de Lens. Ken, oui. Jean Rachel Jean Ruel de Ruel Tolkien fait partie du top 100 des gens les plus intelligents de l'histoire de l'humanité. Oui, il y a moyen. Ouais. Parce qu'il a inventé 50 langues, le coco. Pour resituer, mais un humain moyen, on invente une quinzaine par... Une quinzaine grand max. Un truc vraiment où il y a des mots. Ça va, et les leçons, là. Kaloum Crozet, Pekou comme dire. Oui, d'accord. Merde, j'ai parlé en français. Ça revient vite, la langue natale. T'as du caca dans les cheveux. C'est Poudlard. Il est dans le décor du monsieur à ma gauche, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Le deuxième Lego qu'on a fait, c'est le Princesse Disney. Et on a offert le château à un abonné. Ouais. Le troisième décor, c'est Star Wars. Et on l'a aussi offert à un abonné. Ouais. Le quatrième décor, c'est Titanic. Et chez monsieur. Ouais, chez moi. Sur le buffet. Le décor d'après, c'est la Tour Eiffel. Il est dans un bureau à la Redbox. Ouais, okay. Ouais. Et celui-là, on va aussi offrir un abonné. Du coup, j'avais décidé ça tout à l'heure. Ok, ça me fait rien. On va le dédicacer et si vous vous abonnez à cette chaîne, on sélectionne au hasard quelqu'un et bam quoi. Ouais bah c'est tout ce que je voulais, hein. C'est exactement ce que je m'étais dit aussi, que ce serait sympa pour la commu d'offrir ça. Pour la commu de l'anneau. T'as le cœur sur la main. Merci. Est-ce que tu reconnais un petit peu ce que c'est? Moi je dirais que c'est un Mordorito. Un petit passage secret pour aller dans ton combo. Oh, génial, ça irait hyper bien dans mon salon. Bon, j'ai demandé à Rosie. Ah Rosie, c'est ma petite femme Rosie. Tu es, c'est ta petite femme. Ouais. Pas encore, tu l'as pas encore demandé en mariage, on est au début de l'aventure, mais à la fin tu le feras. J'allais dire, tu vas arrêter de lui demander des trucs, mais on n'est pas encore marié, je dis rien. J'ai fait préparer des lambasses. Oh. Des vraies lambasses. Le pain elfique, qui sont les seules provisions de Sam, de Frodon pendant leur aventure. C'est génial. Sam rationne les lambasses pour qu'il en ait assez pour le voyage de retour. Alors que Frodon a très bien compris qu'il n'y aurait sans doute pas de voyage de retour. Ouais. Ce qui exprime l'espoir du côté de Sam et le désespoir et la réalité du côté de Frodon. T'as compris ça? Et ça vient de Faucon. Au carrefour contact de Faucon, on l'a chopé. C'est un carrefour City, mais. Ah, pardon. Ou un Coxy Market. Je sais plus, ils ont changé. Enfin, en tout cas, ils ferment tard. Et du coup, tu vas là. Imagine, genre demain, ils adaptent la carrière du RC Lens en film. Là, et moi, je joue le rôle de Seko Fofana. C'est pas possible, en plus. Moi, j'ai envie d'adapter la saison du RC Lens en pièce de théâtre. Moi, en opéra. J'ai mis un triplé face à l'OM. Stupide, bitch, flou, ils ont fondé le maître. Tu sais quoi? C'est pas Gollum, c'est Sméagol, quand il commence à vriller. C'est très sympa, la proposition est cool, mais ça manque un peu de coffre. Ok. On est sur 10? J'ai mis 5. J'étais peut-être un peu généreux. Merci beaucoup, Philippe. Gollum suivant! Oh là, attends, imitation corporelle aussi. Oh oui, tout à fait, c'est bien. Dénama! Il y a le corporel qui compense. Ah, j'aime bien ça. Ça c'est bien. J'espère que vous avez pas posé un RTT, hein. Le moment où il est heureux, ça marchait bien. Tout le reste, ça marchait pas du tout. Ouais. Je suis resté sur 5. Putain, désolé, hein, désolé. Hein. Ah. On a pris. Attends. Bonjour. Est-ce que tu veux faire Gollum content, vite fait? Ah oui, c'est bien. Ok. 6,75. Gollum suivant et on se la ferme en coulisses. Merci. Ah mais j'ai été gentil. Gollum suivant, attention à la porte, je viens de la refaire. Content, j'aime bien content quand même. Vous avez fait les cours Galadriel, non? attention de pas se faire à côté des autres Gollum. Je blague de surprendre leur voix normale. Ah ouais. Suivant! Attention à la porte, je viens de la refaire! Ah, c'est bien! Ça va.
C'est un Gollum en entretien d'embauche. Alors, ce soir, je vais passer un sympa tarot. Donc là, je vais faire une relation dans l'entre deux soirs. Franchement, fort. Hein. Merci. C'était bien quand même. C'était pas mal, putain, chiant. C'est le dernier. C'est stupide, en vie. Ouais. Ouais. Gollum vient trouver un poisson. Oh, oh, nous savons que c'est trop bien, c'est très bien. Et le grand gagnant est le Gollum numéro 7. Ouais. C'est la comté qui va bien rigoler. Ok. Allez, allez. Ça fait toujours plaisir, monsieur Frodon, parce qu'en général, vous me laissez un peu dehors. Oui, c'est vrai. Allez, venez. Ah, c'est donc ça, votre petit intérieur. Voilà, on se fait plaisir. Oh, j'aime bien. Cette série, c'est l'histoire de deux cons et de petites briquettes, quoi. On est déjà une fois dû demander à Lego une pièce parce qu'il n'y avait plus. Faudrait revoir ta commu, Maxime. Des connards. Wow. Oh non, mais non, non. Moi, faut qu'il reste à Aragorn toute sa vie, ce gars. Tout le reste, c'est un raté. C'est la merde. C'est la merde. Ça ne fera pas revenir à la pièce, ça, si ? Non. Non. Ça fait du bien. On y retourne. Au boulot. Je crois que je suis bourré, monsieur Frodon. Vous pouvez enlever votre pantalon, monsieur Frodon ? Avec plaisir. Il est déjà enlevé. Thomas, j'ai une petite question qui me gêne un petit peu. Ouais. Quand Gandalf dit flamme doudoune, il parle des tchouches ? Fuyez, pauvre fou ! Et il se lâche. Dans le dessin animé des premières adaptations de Seigneur des Anneaux, il dit « Sauvez-vous, imbécile !» Sauvez-vous, imbécile! C'est moins bien. Donc, je te propose une petite impro sur qu'est-ce que Gandalf pourrait dire à ce moment-là, à la place de fuyez, pauvre fou! Gandalf! C'est pas le moment de démarrer un clapping! Gandalf! Le premier qui touche encore le sol est une pute! Là, littéralement, Floris Laval. Oui, Floris Laval. Enfin, Floris Nothing. Floris Balrog. Gandalf! Fuyez, pauvre fou, mais sachez que demain, Mistral et Tramontagne se rencontreront sur la Méditerranée et que nous fêterons les Brunos! Il est chiant. Gandalf! Continuez sans moi, je prends le métro! Gandalf! Pipin, je peux pas te bérer! Gandalf! Je peux t'aider à le porter si tu veux! Quelqu'un a sonné? Oui? C'est qui? Bonjour. Oh non. Vous êtes des nains? C'est des nains. Ils font comme s'ils étaient chez eux, là. La dernière fois, ils sont venus, ils m'ont niqué le garde-manger. Me saccagez pas tout, hein, c'est une maison de famille. Ça m'arrête pas. Ils vont bouffer toute ta réserve de sifflard. Oh là 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 là. On continue, l'air de rien, ou... Oh là là là, mais frappez pas à la fin, rentrez hein. Fuyez, pauvre fou. Sauvez-vous, imbécile. Et Fili, pipi et caca, ils ont pas essuyé leurs chaussures en plus, j'ai vu. C'est les mecs se sentent chez eux, quoi. Ah mais le bordel qui me foutent. Les gars, c'est à moi, reposez le chandelier. C'est à papy. C'est la première fois que je vois un nain avec une montre connectée Garmin. Je me sens jamais chez moi ici. Putain, ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a un des nains qui pourrait me passer le sachet de 18, s'il vous plaît? Dwaline? Dorphine? Morphine? 18, ça c'est 34, là, ils sont cons. Oh les débiles. Ah super, bah bravo. C'est bien, il est allé en CP, lui. Oh là là, et... C'est lequel là, qui veut faire un peu nanak avec une elfe, là? Ah oui, c'est vrai. Oh, les mix entre les races, j'ai envie de les voir. Un elfe avec un N à l'avant, extrait d'un elfe. On peut peut-être lister les amours impossibles. Notamment un Uruka et un elfe. Ouais, moi j'ai un olifant et un hobbit. Attends, je réfléchis, ne dis rien. Oh, le bordel, un orc et un ent. Sauron dans sa forme gazeuse, et le mec qui se lave pas les dents dans le Hobbit 2 et 3. Sauron dans sa forme gazeuse. C'est bon? Oh putain, par contre, ils débarrassent le plancher aussi. Ils sont venus et ça, j'adore. C'est cool, on aurait pu les ambiancer. On aurait pu faire une fête. Oh.
chiants. Chiants, ils sont chiants. Bifur le grand, là. Ouais. Il a un corps fait pour la danse. Hein. Quel homme. Il était dans son élément. Oh, 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 ouais. Il m'a bluffé sur... Se déhancher. Ça m'a pas déplu. Bon, bah j'ai vu, extrait. À un moment donné, tu m'as pas aidé à les virer. Après, je me suis pas aidé non plus, hein. Extrait. Nicolas, que voient vos yeux tels? Mais comme tout le monde, je vois pas plus, pas moins. Un paysage, la forêt, des cailloux. Faites chier à toujours me demander. Nicolas, que voient vos yeux tels? A, Z, E, F, H. Oui, et oui. Nicolas, que voient vos yeux tels? Amour, célibataire, si votre cœur s'emballe pour deux personnes, votre refus de faire un choix pourrait bien vous mener au désastre aujourd'hui. Forme, vous allez probablement avoir un sommeil un peu agité cette nuit. Avant de vous endormir, libérez vos pensées négatives en les écrivant ou en les verbalisant. Enculé! Vous êtes à la masse, Nicolas. Ça c'est pour les poissons, pour les capricornes. Je suis Verseau. Bon, j'avance à deux à l'heure, mon pote. Ouais, moi aussi, mais là, c'est depuis qu'on a fait... On l'a compté. Dégolasse, que voient vos yeux d'elfe? Un mec en or, un type bien. Oh. Un gars en or, un gars sûr. Voilà ce que voient mes yeux d'elfe. Absolument aucun moment qui est répétitif. Aucun. Il est complètement anarchique. Il y a un moment répétitif dans cette vidéo. Ah, ouais. Celui-là. Celui-là. On arrive là, ça y est. Bon, on part pour une quête, faut qu'on jette une bagouze dans du feu. Ah mais c'est pas une manche avec le jardinier. Le paysagiste. Le paysagiste. Il est un peu tatillon sur les termes. Un peu tatillon, je suis paysagiste. Bon, je te laisse, je suis en pleine quête. T'es avec qui au téléphone? Tu veux pas me dire? Personne, personne, juste... Tu parles tout seul. Gros bisous, Rosie. Gros bisous. Rosie, t'as dit Rosie. Rosie, ouais. Je te rappelle que Rosie est mon love interest. Un truc qui me chiffonne, je veux te dire. Ouais. Bah regarde. Les verts, ouais. Bah, ils sont encore bleus. Ah. On a bougé, ils sont encore bleus. Il doit y avoir un orque pas loin. Je sais pas ce qu'il nous veut. Bah, je commence à flipper. Bah oui. Il y a un orque dans le champ, là. Oh, putain. Oh, là, on est en plein fond comble, là. T'as déjà tué un orque, toi? Non, mais... j'ai bien une idée, mais ça me... pas que ça a à foutre, quoi. C'est quoi ton idée? Il m'a épuisé, Bolduc. Vendeur d'objets connectés, est-ce que tes soucis étaient pires ou mieux? Tu te donnerais combien là pour retourner à cette villa? Tout l'or du monde. Tac. T'as craqué, c'est toi. Ah oui, ah oui, ah oui. What the fuck? Oh, je pourrais chialer. Frodon.
trop peu d'applause. Oh non, il n'y a pas assez de personnes, c'est pas possible. Qui êtes-vous? Je veux savoir chacun de vos prénoms individuellement. Oh la vache, merci infiniment. C'est bien. Vous pouvez même pas, ouais. Ouais, franchement. Il existe d'autres termes encore plus. Ça va, dans notre boulot, on a connu largement plus désagréable que ça. Ah ouais. C'est incroyable, mais qui êtes-vous? Ok. Franchement, j'étais choqué de voir le nombre de personnes. C'était une expérience extraordinaire, je pèse mes mots. Genre vraiment, on était à peu près à ça de pleurer. Je vous vraiment, c'est pas une blague. Moi, j'ai trois larmes qui sont tombées au début. Toi, t'as les yeux qui brillent encore. C'est le projecteur, hein, c'est pas parce que... J'ai pas de terme assez laudatif pour vous dire à quel point c'était beau. Déjà, d'un point de vue acoustique, on était relativement bien placés. On était bien placés. On a... Entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Ah ouais, c'est carré diamant. Petit sondage, on le vend la main. Qui avait pas envie de venir? Soyez honnête. Ils sont pas là, oui. Quelle expérience incroyable. Ouais. Franchement, c'était d'une puissance et tout. Allez, une petite dernière et puis on y va. Un petit bonhomme en mousse. Alors, que dit Gandalf quand il voit des elfes bourrés qui essayent de uriner sur la palissade devant chez lui? Vous ne pisserez pas? Ouais. Aime bien. Quoi d'autre? C'est la fille de Gandalf qui lui ramène un mec pas fréquentable et elle lui annonce qu'ils veulent sceller leur union. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est un truc basé sur vous ne passerez pas. Ouais, tout. Vous n'épouserez pas. Non. Vous ne vous paxerez pas. Gandalf, il y en a marre qu'on écoute la SketchUp. Vous ne asserrez pas. T'es trop con. Oh, je vais dormir. Oh la vache. Faut la force d'un bouc, eh. Ouais, ben, on n'arrivera pas au Mordor si t'arrives pas à ouvrir un pot. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Attends, on va faire au montage. Ah, pouf! Ça va, il se régale? De manière dégueulasse. Oui, bah, je crois que j'ai pu être le dernier à être appelé au bijouflu. Ce que je suis en train de faire là, je m'en remettrai jamais. C'est gorille ce que tu fais. C'est une super mauvaise idée. Le mec, il savait pas, maintenant il est au courant, mais il s'est pas accordé sa conjugaison. Maintenant, on le sauront. C'est un mec qui décide finalement de pas faire une vraie donation au Restro du cœur. Une fausse donation au Restro du cœur. Ouais, un Frodon. Et vraiment, la salle a été exaspérée. Il y a eu vraiment Legolas qui plante un couteau dans la tête d'un troll et qui le dirige comme si c'était un joystick. Il y a des pierres qui tombent comme ça et les utilisent comme un escalier alors que c'est en train de tomber. Ah oui. Et là, la salle a éclaté de rire. Tu l'as... Fontaine. Allez, il y a la prod qui fait un clapping. Allez, les orques. Allez, 30 millions de dollars. Ah ouais, bah non, tu peux descendre. Non, quoi? Ouais. 10 millions. Tu descends encore. 3 millions. Tu descends. Non, tu te fous de ma gueule. 1 million? Bah non, tu descends. Il les a vendus combien? 300 000? Tu descends. 100 000? Tu peux descendre. 10 balles? Il les a vendus 10 000 livres, donc 14 000 euros à peu près. Ancien, hein? Après, c'est surtout un mec qui était fan des mots, pas des chiffres. Faut pas non plus tout lui demander, hein. Bah, je lui présentais mon manager. Bah dis donc, il avait soif le porteur d'anneau. C'est pas facile, hein. C'est vrai qu'on en parle pas trop dans le film, mais ça sèche le gosier. Bah, l'anneau, ouais. Bah, tu le vois bien, Frodon, il a soif. Prenez ma gourde. C'est quand il est comme ça avec la gourde. Frodon et Elijah Wood qui déclarent son amour à cette belle région qui est le Cantal. Oh, quoi? Cantal looks so beautiful. That region genuinely does look like Middle Earth. Merci, Frodon. Rivendell, j'en ai marre. Oh, Rivendell, j'aime bien plein le fion. Ça, c'est mon cul, comme ça. Ça dépasse. Faux, impossible. Oh, ils ont retiré l'échelle. Oh. Fort, hein. Avant-dernier sachet. Oh. Regarde. Je vois. Tu fais ça, là? Non, je suis en train de faire un tennis, connard. Bah non, t'as pas de raquette. Ah, tu te foutais de ma gueule. Ah ouais. Oh, il est chauve. C'est la merde. C'est la merde.